Et yo Mina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragon et on se retrouve donc pour la suite. Oui, je tourne un épisode alors qu'il y a le décès de Débat Daylight. Ah oui, Wesker. Ne me jugez pas. On se retrouve donc pour la suite de Renate King. Et on doit donc retourner à Beachwater et arrêter le roi déchu. Donc on atterrit sur cette île. Pourquoi parce qu'on a dérivé. Voilà, on a dérivé sur cette île. Et donc, on a trouvé un moyen de réparer le bateau pour retourner à Bilgewater. Ok. La porte est solidement fermée, mais les brasiers éteints qui l'entourent pourraient être un indice de la manière de l'ouvrir. Mais les brasiers... Ouais, il y a quelque chose qui a l'air suspect. Ok. Une lame. Donc, est-ce que ça me force à jouer Harry? Je suis en train de me demander. Non, c'est bon, je peux prendre Yasuo. Et ça se trouve, c'était obligé que Yasuo. Et j'ai bien fait d'avoir Yasuo. Donc, en gros, ça te force à changer de team en cas où. C'est un peu dommage. Bonne chance et amusez-vous bien. On va pas affronter ces mobs. S'il faut, on fera un petit peu de farm avant d'affronter Viego, le roi déchu. Mais pour l'instant, non. Bon, après, s'il y a des combats obligatoires, qu'on est forcé, je le ferai. Ok. On va essayer de passer par là, si possible. La porte est solidement fermée, mais le brasier éteint qui l'entre. Ok. Donc, il y a encore une connerie. Ok. Je refuse de fuir. Pourquoi je prends des coups à chaque fois? Comment ça se fait que je prends des dégâts sans raison? C'est ça que je comprends pas, je prends quand même des dégâts sans raison. Hein. Alors, les brasiers qui sont éteints autour empêchent l'accès. Est-ce que je suis obligé de prendre Harry au final? On va prendre Harry à la place de... Bah, la place de qui? J'ai pas envie de changer de membre du groupe, moi. Non, on s'en bat les cacahuètes. Me dis pas que je suis obligé de choisir Harry. Mais Yasuo, il me sert trop. Vous devez sélectionner ce champion pour cette mission. Il est obligatoire. Yasuo est obligatoire. Donc soit je retire Hilary. Non, je veux jouer avec mon perso. Il y a moyen, moi je dis il y a moyen d'ouvrir cette fucking porte de merde. C'est juste que je me prends mal. C'est obligé, il y a un truc comme ça. Regardez, là il y a du vent. Oh oui d'accord, non mais en plus je rentre et je prends. Et ça fait le combat obligatoire. Ok. Donc t'as trop t'es qu'il fallait faire deux fois la tornade sur la droite. On va essayer. Au pire, on va éliminer ses ennemis parce qu'ils vont me casser les nouilles, mais quelque chose de salé. Voilà. Je ne plierai pas. Voilà, vous allez pas me saouler longtemps, je vous le dis clairement. Voilà, aucune cible pour le soin, mais je m'en bats les complètement les Stekos. Hilary, tu vas. Bah Hilary, tu vas soigner hein. Je resterai à terre à la place. Toi si tu continues à défendre.
tu affaiblis un petit peu. Broom, je vais mettre un shield. Parce que je comprends pas pourquoi. Ils nous foutent un truc comme ça pareil. Oh, Broom, tu l'aurais tué, j'aurais été heureux de toi. Ah bah si, je crois qu'il est mort de la scission. Je crois qu'il est mort de l'effet de saignement. Ah bah ça m'a ouvert le pont. Quel gros pignouf que je fais, putain. Ah mais je suis vraiment un golemon. Comment je peux être aussi débile? J'ai pas regardé le pont, j'ai pas vu que le pont allait se lever. Là, il y a une idole, donc ça se trouve peut-être qu'il faut utiliser notre cher Eloy. On va voir. Même pas. Ok, il y a l'autre pignouf qui va nous attaquer. Putain, ça me fait trop bizarre d'avoir l'idole de Eloy avec un gros poing, là, un gros fist. Ça me fait trop bizarre. Ok, ça ouvre. Ok, ça ouvre un pont, je sais pas quoi, mais lui, il veut me casser les nouilles. Ah, je crois que le combat est obligatoire, je peux pas le fuir. Alors, je sais pas si c'était un bug que je pouvais pas fuir ou si le combat était obligatoire, mais en tout cas, on les a dérouillés et je crois que c'était obligatoire. Je crois surtout que le jeu a bugué. Et reminage donc. Ouais, c'était bien en gros le combat. En fait, alors faites gaffe pour vous, je sais pas si ça vous arrivera. Mais quand j'active les trucs devant et que la cinématique doit faire apparaître le pont, si le mob m'agresse, ça arrête totalement tout. Mais vraiment tout. Donc faut faire vraiment attention. Mais moi c'est... Ah bah c'est là-haut qu'il faut aller. Alors est-ce qu'il fallait activer tous les trucs devant pour que ça marche? Ah non, j'ai pas vu, il y avait un truc devant là. Ah bah voilà, c'est de ma faute. J'avais pas vu qu'il y avait un petit passage où il fallait faire donc tournoyer deux bidules ici. Non, peut-être qu'il faut au final tous les activer, dont celui qui est là-bas. Bah au moins comme ça c'est fait. Voilà, quand je suis dans les hautes herbes, personne ne m'agresse. Je suis tranquille, j'ai pas envie qu'on m'agresse. Maintenant, quand je vais voir un mob et qu'il faut activer un truc, je vais faire vraiment attention. Ah, c'est quoi cette tortue là en train de dodo? Bah, je crois qu'on peut pas passer ce qu'il y a la tortue. Et bon, bah, j'ouvrirai l'énigme plus tard, j'ai fait pourtant ce qu'ils ont marqué. Calme, Eloy. Tu n'as pas de remarques à faire sur le mouvement de cet endroit? Les dieux Kraken et tous ces trucs là? J'ai bien peur de ne pas avoir grand-chose à dire à propos de la déesse. Je crains qu'elle ne m'ait abandonné, qu'elle nous ait tous abandonnés. Allons, on a subi quelques revers, mais on n'est pas encore battu. Je ne vais pas rester sans réagir pendant qu'un roi de pacotille détruit ma ville. Sarah, et si telle était justement la destinée de Bilgewater? Si c'était une épreuve de la déesse? Et si nous avions échoué? Je me moque de ce que ta déesse pense de moi. Je ne laisserai pas les dieux et les monstres jouer avec ma ville. Nous choisirons notre voie, même si je dois te traîner de force avec moi. Maintenant je comprends. Quoi donc? Pourquoi tant de gens sont prêts à te suivre? Peut-être que tu as raison. Continuons, capitaine. Oh! D'accord. On va ouvrir tout ça. Ah bah j'ai cru qu'il aurait fallu encore une... Que j'aurais été obligé de faire l'énigme. Mais on dirait que c'est pas le cas. Donc c'est cool. Pour l'instant c'est beaucoup centré sur Yasuo. Hein.
en termes pour résoudre les énigmes. Pour le moment. En même temps, c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup servi de lui pour résoudre les énigmes, mais bah là, on s'en sert au moins. C'est quoi ces trucs par terre? Berk! Les araignées. C'est dégueulasse, mademoiselle, madame les araignées. Au revoir. Eh ben, se reposer. On a fait quand même quelques combats. Et là, on va activer la discussion. Let's go. Qu'est-ce qui te tracasse, Ilaoi? Je pense à ce qui nous attend. Le chemin que Nagakaburos a choisi pour nous. Un chemin plein d'aventures. Des héros venus de contrées différentes, s'unissant pour vaincre un puissant ennemi. Ça a l'air héroïque quand tu en parles, comme tes histoires. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait les bons choix. D'être responsable de ce que nous affrontons maintenant. Tu as des doutes, mais tu continues de suivre ton cœur. C'est ce qui te rend forte et nous inspire. Et Brome restera à tes côtés. Jusqu'à la fin. Merci, Brome. Ta confiance et ta compagnie me réchauffent le cœur. Quand Brome rentrera, il racontera l'histoire d'Ilaoi, la prêtresse du Kraken. Tout Freljord connaîtra ton nom. Ah ! Alors nous devons gagner. Mon histoire ne peut pas finir sur un échec. Sarah, tu ne dors toujours pas ? Non. J'attendais de pouvoir te tuer discrètement dans ton sommeil. Et toi ? Pareil. Bon, vu que nous sommes toutes les deux debout, autant retourner sauver le monde. Ensemble, on a peut-être une chance. Nous avons rassemblé un bel équipage. Tu leur fais confiance ? Vu l'enjeu ? Oui, autant qu'à toi. Plus qu'à moi, j'espère, sinon on est fichu. Prends le temps de faire leur connaissance. Bats-toi à leur côté. Ils pourraient te surprendre. On verra. Tu me dévisages. Je te fais peur. Si c'est ton but, il va falloir faire mieux. Tu n'es plus humain. Que t'est-il arrivé ? J'ai été trahi. Abandonné dans les profondeurs. Je vis dans les ténèbres. Je sens ta colère, mais aussi un désir de justice. Les profondeurs réclament du sang, je suis leur lame. Mais la brume noire retarde mon travail. Si tu connaissais mon passé, ce que j'ai fait, je me demande si je serais sur ta liste. Ou celle d'un autre. Nous sommes tous sur la liste de quelqu'un. Tu penses être mauvaise car tu as tué. Tu es telle que ta nature l'exige. Tout comme moi. J'espère que tu trouveras la justice. Merde, j'ai appuyé non comme un con. Par contre, j'aime bien l'histoire d'Ilaoi. Enfin, entre Ilaoi et Fortune, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas? Non, j'attends de te tuer pendant ton sommeil. Ah! Et toi? Bah moi aussi. Elles m'ont tué. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de conversations, mais on se rapproche de la fin, donc que ça discute un peu plus. Brome a remarqué que tu le regardais. Tu as besoin de quelque chose? Tu veux savoir à quoi je pensais, mon grand? peut-être pas en public. Du calme, Brome. Je pensais juste à tes histoires. Des trolls et des dragons, des monts de glace et de neige. Avant toi, ce n'était pour moi que des légendes. Je rêvais de naviguer autrefois, de voir des terres lointaines. Mais Bilgewater est devenu tout mon monde. Alors tu dois te rendre à Freljord. Brome sera ton guide. Nous aurons des tas d'aventures. Oh, doucement, tu veux? Une aventure à la fois. Ionien. Tu manies la lame efficacement. C'est un grand compliment venant d'un assassin expert. Un tueur en reconnaît toujours un autre. Je suppose que c'est vrai. Mon maître était le plus grand des épéistes.
je ne suis que son ombre. Il n'y a rien de mal à être une ombre. Oui, il est parfois utile de ne pas se faire remarquer. Ton maître est mort, donc. Oui. Et d'après certains, de ma main. Tu cherches à le venger ? Qu'est-ce qui te fait penser que je ne l'ai pas vraiment tué ? Je ne pense pas. Ah. Au moins les ventreurs des abysses me croient. Oui. Pike, j'avais tort en ce qui te concerne. Et je ne suis pas le seul. Tu as été un allié utile. Tout le monde est indispensable pour mettre fin à tout ceci. On ne te faisait guère confiance quand tu nous as rejoints. Tu t'es montré digne de la cause. Tu parles comme la prêtresse. Je ne parle pas de la même dignité qu'elle, mais de celle du guerrier. C'est vrai. Mais ce n'est pas ma vocation. Peut-être dois-tu en changer. Tu ne m'as jamais vu travailler. Un jour, peut-être. Non, merci. Je préfère notre arrangement tel qu'il est. D'accord. Eh ben, il y a eu beaucoup de discussions, hein, comme j'ai dit. Rapporter la bénédiction du vent. Ça, c'est un truc que je dois récupérer, ça, je sens. Ouais, il y a un truc à faire là-bas. Donc, ça aura peut-être un rapport avec ça. Ah ouais. Oula. Je ne devrais pas être ici. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce ne sont pas les courants qui me parlent. Mais... les échecs. Yasuo ? Notre pouvoir est le mouvement. Tu es immobile, paralysé par la peur. Tu es indigne de ce pouvoir. Le vent me sert. Le vent a pitié de toi. L'apathie et l'hésitation sont ses plus grands ennemis. Qui êtes-vous ? Je suis celui que tu veux que je sois. Celui que tu crains le plus de revoir. Non, pas encore. Non, mon frère. Yone. Tu as raison. Je ne comprends pas. Quelqu'un sait ce qui se passe ici ? Ce lieu se nourrit de la peur. Les vents sont comme les fils du temps. D'accord, et en jargon compréhensible ? Le passé de Yasuo l'a une nouvelle fois rattrapé. Oh, l'ombre de Yone. Ok. Ça va, en soi, il fait pas trop mal. Mais il va falloir faire quand même gaffe. Il va falloir que je fasse gaffe. Ouais, parce que là, il commence à faire mal, hein. Je sais pas s'il faut le tuer ou si je peux mourir, mais je crois que là les potions sont obligatoires. Si je fais ça, je joue après lui, donc on va réduire les dégâts. Allez, l'attaque spéciale. Attention Yone. Ça, c'est le cadeau de papa. Oh, 6000. Mazette. On va faire encore un mur devant. Comme ça, on se défend maximum. Impressionnant.
Si je fais un ultime derrière, il est mort. Allez. Solier. Cadeau de papa une nouvelle fois. Dégage. Ça fait mal, Yone, hein. Enfin, ombre de Yone. Allez, à la tienne, Etienne. J'accepte mes erreurs. Et les erreurs des autres. Et tu avances un peu plus vers ta destinée. Est-ce que tu as dû refaire ton choix ? Oui. Par le passé, quand j'affrontais mon frère, j'étais confus et empli de rage, puis de regret. Mais maintenant, tu es calme. Ma foi, c'était mouvementé. Retournons au navire. L'équipage a dû terminer de le réparer. Yasuo, je suis ravie que tu aies pu affronter ton passé. J'ai une dette envers toi. Sans ce voyage, j'aurais été perdu pour toujours. Seul. Nous avons fait du chemin. Mais la guerre contre le roi déchu commence à peine. Quoi qu'il advienne, je ne partirai pas tant que tu n'auras pas trouvé ce que tu cherches. Je te le promets. Avec Yone, j'ai passé ma vie à traîner mes regrets. Toi, plusieurs vies. J'ai appris l'importance d'aller de l'avant. Maintenant, la question est, comment aller de l'avant sans sacrifier la mission la plus importante? Je pensais devoir connaître mon passé pour me connaître moi-même. Tout cela semble si insignifiant à présent. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas laisser Bilgewater finir comme les îles bénies. Ensemble, nous réussirons à l'empêcher. Oui, ensemble. On dirait que le navire est prêt. Si nous partons assez vite, et s'il n'y a pas d'autres interruptions, on devrait pouvoir arriver à Bilgewater avant le roi déchu. On te suit, capitaine! Quelle douce musique à mes oreilles. Fouiller l'île. Bah ouais, moi j'aimerais bien retourner en arrière pour voir ce qu'on peut récupérer, hein. Là, il parlait d'un truc du vent, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose ici maintenant? Rapporter la bénédiction du vent. Bah, je l'ai pas. Peut-être ce qu'il y avait dans le coffre que j'ai pas pu ouvrir tout à l'heure. Ce qui m'a cassé les nouilles. Bon. Retournons à Bilgewater, hein. Notre choice pour l'instant. Bienvenue à Bilgewater, Gangplank. Ma Bilgewater. Ce n'est sûrement pas la fête d'accueil à laquelle tu t'attendais. Fortune, je ne suis plus l'homme dont tu as coulé le navire il y a des années. Je n'ai plus d'orgueil. Il ne reste que ma destinée. Si je dois arriver enchaîné, d'accord. J'ai toujours des amis dans cette ville. Je reprendrai vite le pouvoir. Tu sais quel est ton problème, Gangplank ? Ces vieux amis, justement. La plupart travaillent pour moi, maintenant. Et ils semblent préférer ça. Oh, Fortune. Ils ne respectent pas l'ordre et la paix. Ils attendent juste le bon moment pour te planter un couteau dans le dos. Enferme-le, Rafen. Dans une cellule étroite et humide que le soleil n'éclaire jamais. On se reverra, Fortune. Je n'en doute pas. Quand on te pendra. Tu devrais me laisser le tuer maintenant. Personne ne croira qu'il est mort si je ne le tue pas moi-même, en public.
Mais ça attendra que Bilgewater ait survécu à la menace du roi déchu. Je vais aller voir mon peuple. Ils m'aideront peut-être. Noir s'amasse à l'horizon, Ilaoi, comme une vaste et cruelle nuit de l'horreur. Bien que vous m'ayez aidé, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Un ancien roi est apparu, et son cœur est plein de rage. Et tu viens de nouveau me demander de l'aide. Oui. Nous avons une puissante amulette qui peut contenir le roi, mais elle est corrompue. Je doute qu'on puisse la réparer ici à Bilgewater. Nos temples n'ont pas assez de puissance pour purifier un tel mal. Puis-je la porter au Capitole Bourreau ? Je ne peux le permettre. Une telle relique attirerait aussi la rage du roi sur notre peuple. Il est plus sûr d'évacuer Bilgewater que de la sauver. Mais, doyenne, je connais un autre lieu sacré de Nagakaburos. Dans le temple de la purification, j'ai découvert l'existence d'une ancienne forge bourreau sur les îles obscures. Quelle est cette forge? Est-ce un lieu puissant où nous pourrions purifier l'amulette? Tu ignores tout de ce lieu, parce qu'il est interdit. Il a été abandonné par nos ancêtres. Vous m'avez offert l'aide des invocateurs de serpents, mais la forge, c'est trop! Nous ignorons où elle se trouve. Cet endroit est haï par Nagakaburos. Doyenne! Depuis que j'ai quitté Bilgewater, je prie pour avoir une autre vision, mais elle est silencieuse. Son enseignement, mes vieilles croyances, tout est étrange. Mais je crois que la déesse veut que j'accepte mes doutes, que j'aille dans les lieux interdits pour en exhumer les vérités oubliées. Elle me met à l'épreuve. Je la servirai en prenant des décisions difficiles, en écoutant mon instinct. Je trouverai la forge, je purifierai l'amulette, je piégerai le roi déchu. Les anciens tabous ne m'arrêteront pas. Très bien, Rafen. Tes hommes ont besoin de quelque chose d'autre ? On est pareil, capitaine. Les équipages distribuent les fournitures. Cette ville a déjà survécu à une nuit de l'horreur. Elle survivra encore. Ilaoi ! Bienvenue dans la salle de guerre. C'est la première fois que j'en vois une. On dit tes doyens. Nous aideront-ils à purifier l'amulette ? Ils ne peuvent pas. Quoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas de site de rituel assez puissant à Bilgewater. On pourrait utiliser la forge Bourreau à la place, mais c'est interdit. Ils refusent de me dire où elle est. La forge dont tu parles, elle est sur les îles obscures. On n'a aucune chance de trouver cet endroit. Nécrit, lui, il saurait. Oui, ce vieil esprit connaît tous les recoins de son domaine. Nous devrions retourner le voir. Bon, mais ce lieu interdit... Il est interdit... jusqu'à quel point ? Je l'ignore, et ça m'est égal. Nagakaburos aime le mouvement. Nous allons donc passer outre cette interdiction. Nous allons apporter de l'agitation à ce lieu ancien et oublié. Dans une telle mission, je suis honoré de vous avoir tous à mes côtés. Préparons-nous à un autre voyage, puis forgeons une arme pour battre le roi déchu. Fortune, tu fais un bon chef. Je croyais que tu détestais les capitaines. Le concept même de chef. Les gens de Bilgewater, tu ne les laisseras pas se noyer. Certains couperaient la corde, laisseraient les faibles couler. Oui, mais pas moi. Alors quoi ? Tu vas simplement me rayer de ta fameuse liste ? J'espère. Tu es à la fin. Il y a beaucoup d'autres coups à trancher entre le roi déchu et toi.
Ah, tu me tueras en dernier. C'est gentil. Non, ce n'est pas gentil. Mais merci, Pike. Toi et moi, on a plus en commun que je ne pensais. Quand tout ça sera fini, on pourra peut-être conclure un arrangement. Je ne pense pas. Tu restes, capitaine Fortune. Qui a demandé un écrit comment purifier cette fucking amulette. Comment on se porte ici? Ça fait un moment que je n'ai pas été dans le domaine de Fortune. Je crois qu'il faut passer par là. Ah, il est là-bas en face, ok. Ouais, donc c'était bien vu que je pensais, ok. Nécrite, j'ai besoin de toi, frérot. Fais péter la faux. Vous revoilà. Et le roi déchu a été libéré. Il va lentement vers Bilgewater, en détruisant tout sur son passage. Nous avons juré de sauver la ville. Nous avons une amulette qui peut l'arrêter. Mais il l'a déjà corrompue pour en affaiblir la magie. Il y a une forge bourreau quelque part sur ces îles. Un tel endroit permettrait de purifier l'amulette. Ah oui. La forge bourreau. Si je me souviens... Elle est cachée au fond d'un caveau, non loin. Ce caveau vous passionnera, Harry. Moi ? Les Vessani ont utilisé ce caveau spécifique. Vous y trouverez peut-être l'écho des ancêtres que vous cherchez. Les traces des Vessani. Je ferai de mon mieux pour les suivre, érudit. Nous vous sommes redevables. Au contraire. J'ai toujours attendu le jour où des champions viendraient combattre la brume. Utiliser le téléporteur pour rentrer dans les caveaux des Vessani. Oh, ça a l'air d'être beau. Ça me fait bander. Oh non, pas des énigmes. Nous y sommes. Peux-tu nous faire entrer? Il vaudrait mieux. Brom espère que tu pourras enfin te rapprocher de ton peuple. J'ai attendu si longtemps. Pourquoi se presser? Mais non! Faut faire les dîmes qui se sont le truc, la tête de pignouf de sa mère! Alors, ça, c'était ça. Lui, il regarde là. Lui, il regarde en bas. Lui, pignouf, il regarde en bas. L'autre pignouf, il regarde ça. Mais il y a un pignouf. Alors attends, ça fait ça, tac tac tac. Tac tac. Et tac, voilà. Alors, je m'attendais à un truc un peu plus chiant, honnêtement, c'est pour ça que j'étais pas hypé du tout à faire cette énigme. Mais au final, c'est passé, comme papa dans maman. Nos PV, on est complet, donc on n'est pas obligé de se régénérer actuellement. Donc on peut avancer. On peut avancer dans la tranquillité. Ensuite, donc nous, on doit aller tout en face, mais il y a plein de portes, il y a plein de chemins partout. Mes pierres solaires, elles brillent. Je perçois un souvenir. Harry, qu'est-ce que tu vois? Je vois
Les Vessani, mon peuple, ils font des recherches. Ce sont des savants. Des recherches? Genre, ils étudiaient l'avantage d'avoir de la fourrure? Je vois mal. Mais ils parlent de la brume blanche originale, celle qui entourait l'île à l'époque. Ils évoquent aussi... Nagakaburos? Ils sont partis. Continuons vers la forge Buru. Il y a peut-être autre chose à apprendre. Donc, il y a la brume blanche. Ok. Alors, ce serait un peu con qu'il y ait des ennemis ici, vu que c'est un... Enfin, quoique, c'est des ruines, donc il peut y avoir des ennemis, hein. Donc, non, ça peut être logique. Ça peut être logique, logique. Ok, un TP là. Devant encore une énigme. Apparemment, tes ancêtres n'étaient pas des flemmards. Il y a autre chose. Une sorte d'étrange stagnation. C'est la brume noire? Non. Autre chose. La source d'énergie du caveau semble avoir lâché. Les pylônes aussi se sont éteints. Il faut rallumer ces lumières. Bah, bien sûr. Et donc, à mon avis, il va falloir fouiller en allant aussi vers la droite, comme on voit. On va aller à droite. On va passer donc là. Et on va passer donc sur la droite. Et là, on a un passage là. Mais on a un passage ici qui nous dit d'aller là-bas. Ok, le robot, il est pas activé. Activer le premier pylône, le deuxième pylône, le troisième pylône. Ok. Il y a plusieurs trucs à réactiver. Encore un souvenir, Vessani. Il canalise quelque chose dans les golems. Les Vessani puisent dans leurs aptitudes naturelles. Ils canalisent des émotions. Penses-tu être capable de faire pareil? Je ne sais pas. Mais continuons à chercher. J'ai encore tant à apprendre. Donc il canalisait de l'énergie pour faire bouger les golems? Ah bah si, il y a bien des ennemis, hein. Bon, on va essayer de s'en débarrasser le plus possible. Alors, je vous fais une ellipse sur les combats parce que c'est pas ce qui va être un plus intéressant. J'ai envie qu'on avance tranquillement sans interruption avec vous quand vous regarderez l'épisode sans vous embêter. Là, il y a une forge, là, il y a un truc à droite. Ok, tous les monstres sont battus ici. Placer le sceau des élémentaires, mais on en a pas. Ok. Ah, il faut aller là-bas. Est-ce que c'est pour les pylônes? Voilà, comme ça il est vaincu celui-là. Nickel, là nous avons un TP, je parie. Bon, on va pas l'activer. Parce qu'on a un truc là-haut à faire. Ah, c'était un des pylônes. Toucher le sceau, ouais. Cet appareil semble manipuler le flux d'énergie. Donc, il va relancer la machine? Une seule manière de le savoir. Ça semble fonctionner de nouveau. Incroyable. Les îles bénies avaient tant à proposer. La tragédie de la ruine a volé au monde bien plus que nous ne le saurons jamais. C'est pourquoi ça ne doit plus survenir. Continuons. Ok, c'est le premier pylône. Voilà, ils sont vaincus. Ce qui alimente ces abominations, il y a quelque chose de familier en elles. Ce sont des pierres solaires, comme celles que je porte. Elles contiennent des souvenirs. Des souvenirs enfermés? Les bourreaux verraient cette absence de mouvement comme un blasphème.
C'est peut-être pour ça que les doyens n'évoquent pas ce lieu. Les Vessanis sont venus ici pour étudier la brume blanche et ses effets sur la mémoire. La forge les a peut-être aidés à créer les pierres solaires et à alimenter les golems. Un usage intéressant de leurs compétences. Mes propres ancêtres auraient peut-être fui ces pratiques. Mais je ne veux pas juger trop hâtivement. Cette puissance, elle peut peut-être nous aider. Nous devons continuer. On l'active, allez. Nickel. Et le troisième, je parie qu'il est, voilà, tout à gauche, hein. Alors, si on utilise le TP, est-ce que ça nous permet de retourner où on était avant? Pour éviter de refaire tout le chemin? Dites-moi que ça me remet au tout début du niveau, pour une fois je serai content. Eh ben je suis content. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant je pense qu'on peut passer, voilà, sur la gauche. De toute façon, à droite, c'était obligatoire de passer à droite, ça se trouve. Est-ce qu'on peut passer là? Pensez. Ok, ça veut dire oui. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour créer mon petit chemin. Mais j'ai réussi. Ok. Alors on verra bien, j'ai pas compris comment fonctionnent les lumières, mais ça a marché. Comment je peux passer comme ça sur le sol? Rien de mieux. Alors, me demandez pas comment ça se passe, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Allez, vas-y, bouffe les souvenirs dans ta tronche, toi. Il va attaquer? Non, il attaque pas. Nickel, il attaque pas. Le seau de l'eau. À mon avis, les seaux vont servir à quelque chose. Hein. Je pense. Hein. Ils serviront, ça se trouve, pour récupérer une arme, ça se trouve. Est-ce que ce serait pour récupérer une sorte d'arme ultime ou de technique spéciale? Parce que j'ai pas débloqué les troisièmes techniques spéciales, hein. Ok. Bon, toi tu vas dégager. Ouais. Ah, faut peut-être la changer de direction pour qu'elle allume une autre piste, un autre endroit. Peut-être regarde plus sud-ouest, non? Non, je sais pas si c'est ouf. Peut-être qu'elle regarde la porte, non? Je sais pas. Parce que en soi, ça n'a rien changé. Ah. Alors, ne me demandez pas comment je sais, pas comment j'ai fait, parce que je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, c'est là où on doit aller. Ça sent le boss. Si c'est encore un golem, non merci. Ce souvenir. Je sens la peur. La douleur. Oui, il y a là tant d'instabilité. Beaucoup sont morts. Et les survivants ont fui. Ils ont laissé ici leur travail incomplet. Mais...
Il semble avoir tenu des archives détaillées. Si je pouvais les transférer dans ma pierre solaire, je saurais tout. Les réponses que tu recherches. Si les Vessani transféraient les souvenirs dans les pierres solaires avec un appareil, à mon avis, il ne doit pas être loin. Ok. On active le terminal. Ça met la troisième. Et maintenant, ça devrait être bon. Voilà, on a activé tout. Ah, là, il y a un truc ici. Ok, c'est pas ce que je pense. Bah, on va se TP, oui. Donc maintenant, on peut aller en face. Let's go. Alors... Toi, tu fais comme ça. Ça. Toi, comme ça. Toi, tu regarderais là. Et comme ça. Ouvre, Sésame, ouvre-toi. Et maintenant, on est peut-être proche de la forge. Peut-être. Oh non, mais encore un golem en boss! Et la zone principale du complexe. Ce piédestal, là, on dirait qu'il conserve toujours une charge. Je sens la présence de Nagakaburos. La forge Buru doit être proche. Oui. Elle alimente tout le complexe. Cette technologie va bien au-delà de ce que les Vessani auraient pu faire seuls. Les îles bénies, elles étaient vraiment magnifiques. Tu fais bien de parler au passé. Attends-nous pour épargner le même sort à Bilgewater. Ok, une nouvelle conversation est dispo, mais déjà il faut aller là. Inspecter. La brume noire a presque tout corrompu ici. Mais avec cet appareil, je peux transférer les souvenirs dans la pierre solaire que j'ai récupérée dans la bibliothèque de Tresh. Il y a beaucoup de connaissances Vessani ici. Les secrets de mon peuple. La connexion avec mon passé que je recherche depuis si longtemps. Il y a bien des choses que Brom aimerait se rappeler. Harry, et les souvenirs du roi déchu? Serait-ce possible de les placer dans la pierre solaire? Oui. Mais cela nous coûterait le savoir des Vessani. Les derniers souvenirs qui restent d'eux. Mais si les souvenirs du roi déchu étaient dans la pierre, nous pourrions les utiliser contre lui. Sa honte, ses regrets... deviendrait une arme. Nous avons vu les ravages que cet amour malade peut occasionner. Si nous avons la moindre chance de le frapper ou ça fait mal, nous devons la saisir. Ce n'est pas à toi de faire ce choix, Fortune. Yasuo, Sarah a raison. Nous ne pouvons pas gâcher cette chance. Peux-tu accéder aux souvenirs du roi déchu? Oui. Je les sens. Ils tournent dans mon esprit comme une infection. Ces secrets, je peux les isoler. Tout ce temps, je me suis crue maudite. J'avais honte de ma vraie nature. J'avais peur de ce que je pouvais être. Mais j'ai compris. J'étais dans l'erreur. Les Vessani, ils ont vu le potentiel de nos aptitudes. Ils avaient un but. Les souvenirs du roi déchu. Sa douleur,
Je les ressens dans mon esprit. Je connais son secret. La vérité impie au fond de lui. Sa peur, sa douleur, j'en ferai notre arme. Je sens la puissance qui provient de la pierre. Il l'a fait. Oui, cette haine, ces doutes, cette peur, nous devons les utiliser contre le roi déchu. Ce golem protège la chambre, et nous sommes des intrus. Aux armes, les amis! Ok. On va essayer de voir comment va se dérouler le combat. Hein. Bien sûr, s'il est trop long, je vous ferai une ellipse. Hein. Jusqu'à temps qu'on le batte. S'il a vraiment un gameplay ultra long, parce qu'il a beaucoup de PV, je trouve. En cas où. Quel beau combat! La magie et la pierre ne font pas le poids face à ma lame. Récupérons ce qu'on est venu chercher. Harry, tout va bien? Oui, les souvenirs m'ont simplement submergé. Ton passé te rattrape, toi aussi. Ils s'évanouissent. Et avec eux, toutes leurs connaissances. Tout ce qu'ils ont accompli en ces lieux. Mais c'est ce que tu cherchais. Tu ne dois pas les laisser s'évanouir, Harry. Peux-tu faire quelque chose? Non, je ne peux pas. Je dois les oublier. Nous avons fait tant de chemin ensemble. Harry! Où suis-je? Attendez! Ne me laissez pas! Je suis... seule. Pour toujours. J'ai fait mon choix. Tu n'as jamais été seule. Et ne le seras jamais. Ce que tu viens de faire est héroïque. Mon amour... S'il te plaît, je te demande pardon. Pour ce que j'ai fait. Pour ce que je suis. Tu es pardonné. Tous devraient l'être, s'ils sont fidèles à eux-mêmes. Et qu'ils se sacrifient pour autrui. Comme tu l'as fait. Je pensais que mes ancêtres pourraient m'apprendre à vivre sans blesser les humains. Mais... le passé a disparu. Et toi ? Des souvenirs. Ils seront toujours avec toi. Tu pourras les chérir. Mais ils importent moins que le futur qui t'attend. Va, bats-toi pour le monde. Merci. Que s'est-il passé ? Tu as trouvé les réponses à tes questions? J'ai si longtemps pensé que j'étais brisée. Incapable de vivre parmi les autres. J'avais honte. Mais j'ai voyagé avec vous. Et j'ai gardé le contrôle. J'ai découvert enfin qui j'étais vraiment. Je pensais qu'en découvrant mon passé, j'apprendrais à vivre avec moi-même. Mais en fait, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Mes ancêtres. Leurs souvenirs ont disparu, mais je sens toujours la force de leurs convictions. Ils voulaient aider le monde. Et c'est ce que je vais faire, en créant de nouveaux souvenirs. Mes propres souvenirs. Cela dit, revenons à nos poros. Oui! La Forge Bourreau! Je sens la puissance de Nagaka Bourros provenir de l'autre côté de cette chambre. Avançons prudemment. Eh ben nickel, allons-y. Est-ce que je vous dis que ça va sentir encore le boss? Faut pas me laisser tranquille. Purifier l'amulette de Bourou. Eh ben on va purifier l'amulette Bourou, let's go!
Le pouvoir de Nagakaburos est puissant par ici. Oui, en effet. L'énergie que je ressens, elle m'évoque celle du Temple de la Purification. Un puits d'énergie provenant du fond de la mer. Une autre collaboration entre les îles bénies et les anciens bourrous. Mais voilà longtemps que l'histoire bourrou n'en fait plus mention. Naguère, les bourrous venaient sûrement ici pour communier avec Nagakaburos. Mais nous ne sommes pas venus prier. Si on vient pas prier, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai bien trop longtemps attendu un signe. Je voulais interpréter la volonté de la mère serpent. Je n'attends plus. Je vais maintenant l'appeler directement. On va la voir. Grande nouvelle. C'est elle qui nous verra. Devant Nagakaburos, tout est révélé au grand jour. Seuls les dignes survivent à cette épreuve. Une autre épreuve? Oui, Pike. Si nous réussissons, la lumière de la mère serpent purifiera l'amulette de Gangplank, comme elle l'a fait de la graine dans le temple de la purification. Et si nous échouons? Espérons que ce ne sera pas le cas. En tout cas, nous aurons ce que nous méritons. J'ai connu de meilleurs auspices. Je vais placer l'amulette sur l'autel. Vous tous, touchez-la et dénudez votre âme. Votre cause est juste. Nous n'échouerons pas. Je ne suis pas seule. Tu n'es que mouvement. Tu trouveras ta voie. Avec nous. Peu importe le résultat, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Regardez vers l'avenir. On dirait que nous avons tous appris quelque chose. Je suis digne. Nous avons tous fait des sacrifices. J'en appelle à la mère serpent. Que ces sacrifices deviennent notre salut. Purifie la brume noire de cette amulette. Mais je suis Brome. L'avatar de Nagakaburos? What the fuck? What the fuck is this? Je resterai à terre à leur place. Elle a des PV cette coquinette? Et elle fait mal, hein? Nom de Dieu! Je reprenais mon souffle. Elle fait très mal. Donc, il va falloir qu'on fasse très gaffe. Elle fait quand même très très mal. Il va falloir que je soigne quand même pas mal, hein. Je fais ça juste pour pouvoir gagner l'ultime derrière. Histoire de se défendre un minimum quand même. Nous sommes dignes. On va tenter un ultime de Yasuo. Yasuo, s'il te plaît. Offre-lui le cadeau digne de ce nom. Je sais pas si ça fait mal. J'ai pas vu. Ah bah, elle a zéro maintenant. Immunisé contre les étourdissements. L'avatar de Nagakaburos est invisible. Ah, quand elle est touchée par une compétence ultime. Attends. La compétence, l'effet disparaît lorsque l'avatar est touché par une compétence ultime. Ok.
Bah, autant se défendre, hein. Pas le choix, hein. Elle l'a toujours, son altération d'état ? Ok. Eh ben, au pire, on lui fait une attaque ultime. On tente. On lui tente pour voir si ça lui retire vraiment. Ouais, c'est parti. C'est vraiment parti. Par contre, on va peut-être quand même utiliser du soin pour tout le monde, hein. Donc pour l'instant on se démerde pas mal. Voilà, ça va. Pour l'instant on se démerde bien, mais rien n'est joué encore. Prends un... Ah oui, elle fait très très mal. Eloy, tu vas soigner. Toi, tu vas mettre un shield. Et je crois que c'est le boss qui tape après, donc j'aurai pas le temps de soigner. Non, il y a Yasuo et là, c'est bon. Par contre, vu qu'elle fait quand même très très mal, hein, on va pas se mentir. On va te provoquer. On va faire ça. Ultime de Yasuo, t'as combien? 26 000. Higeton! Ouh, j'ai enlevé 5 000. J'y ai fait très mal. J'y ai fait très très mal. Et là, je crois que tu vas continuer à soigner parce que tu sers vraiment bien niveau soin. Et les ultimes de Yasuo, on va les garder pour l'avatar de Nakagaburos. Et ben, on va devoir te raise, mon cher Brom. Par contre, t'as subi, Brom, hein, je suis désolé. Mais là, par contre, on va mettre un bouclier. Là, on va mettre un bouclier. On va pas faire l'ultime de Yasuo. Ah, là elle est sous elle reçoit aucun dégât maintenant. Va falloir balancer un ultime. Donc Brom, on va devoir faire ton truc là pour remplir. C'est bien plus utile que tes histoires. Pour l'instant on va faire que de la défense. On va faire que de la défense. Une bonté inattendue. Et on va faire ça. Un petit coup pour retirer son bouclier. Voilà. Donc, ouh. On se met pas dans son truc bizarre, donc c'est nickel. Ah, si je fais l'ultime, je rentrerai dedans. Ça va, j'allais bien. On provoque et shield. Bah tu vas mettre un soin normal. Il a eu en cas où. Ouh, ça lui a fait très mal ça. Un petit 1700, c'est quand même bien sympathique. Ah là putain, je serai dedans. Là je crois que je serai pas dedans, donc c'est bon. Vous êtes mon bouclier.
elle, je vais lui faire un peu de dégâts. Oh, elle avait 17 000, j'ai enlevé autant de vie. Bon, là, elle est en mode invincible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du heal. T'inquiète, je vais mettre du shield. Derrière, tu nous soignes, Ilaoi. Hein. T'as intérêt à bien soigner. Ça passe, c'est bien. Là, de toute façon, il faut qu'on touche l'adversaire avec un ultime. Donc, masse de heal du côté d'Ilaoi et défense du côté de Yas. Ce sera mon cher Brome qui va heal. Brome, c'est toi qui va heal. Tu vas heal Ilaoi. Toi, tu vas faire l'ultime. On va retirer donc son statut d'invincibilité. Ilaoi, tu soignes. Et vous les autres, vous tapez. On tape. Ah bah, ultime de Yasuo, il y a peut-être moyen qu'on la tue. Offre-lui un cadeau digne de ce nom, Yasuo. 8800. Par contre, comment il est mort, lui? Il s'est passé quoi, en fait? On m'explique pourquoi les deux sont morts? Il se passe quoi en fait pour qu'il soit tombé à terre comme ça? On m'explique? Je suis indestructible. Yasuo n'avait plus de vie? J'ai mal regardé les vies de Yasuo. Je suis surpris. Mais regardez, elle est tombée! Mais comment elle a fait? Comment elle a fait pour tomber? Ah, c'est l'épreuve! Ça se trouve, c'est ça qui nous tue! J'ai pas vu le truc de l'épreuve de la mer serpent, ça se trouve, c'est ça! Ah, quel teubé! En fait, j'ai mal géré ma jauge! Eh bah, nickel! On l'a vaincu! Je crois que ma moustache a roussi! L'amulette est purifiée. On a réussi. Et Ilaoi? C'était... un avatar du grand Kraken! Mais la déesse, elle m'a entendu. Elle m'a accordé mon souhait. En appeler directement à elle, c'est contraire à la tradition, mais... la déesse nous a acceptés. J'ai cru trop longtemps que j'étais la seule à pouvoir porter ce fardeau. Mais je vois à présent que nous le portons ensemble. Nous sommes les vrilles du serpent qui repoussera la ruine qui menace Bilgewater. Reposons-nous un peu. Puis, nous irons botter le train du roi déchu. Voilà, là, on se comprend. Sarah, je peux te parler? Désolée, Ilaoi. Je garde ce collier jusqu'à ce que le roi déchu soit remis à sa place. Mais je pense que tu pourras l'essayer ensuite. Non. Ce fardeau te revient. Ta volonté est forte. Mais avec toutes les vérités qui font surface, quelque chose continue de peser sur ma conscience. Ah, c'est du sérieux alors. Gangplank. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il est la source de ces terribles événements. Je suis donc responsable. On en a déjà parlé, Ilaoi. Tu savais pas? Tu pensais qu'il était mort au fond de l'océan? Non, Sarah. Après ton combat avec Gangplank, les bourreaux l'ont extrait de l'épave. Ils me l'ont amené. Je lui ai fait passer l'épreuve de la déesse. Elle l'a jugé digne.
J'étais forcée de tout faire pour l'aider à se rétablir et à reprendre sa voix. Tu as fait quoi ? J'aurais dû te le dire. Je sais. Je suis désolée. Tu es désolée ? Et tu espères que ça va suffire ? Les paroles de la déesse ont longtemps été pour moi un absolu. Elle a accepté Gangplank. Et cela m'a poussée à l'aider de mon mieux. Et à présent ? J'ai appris que je pouvais opposer mon libre arbitre à la déesse. Mon propre désir. Elle veut que les mortels cherchent leur voie. La déesse m'a appris bien des choses. Mais je choisis seul le chemin que je prends. Gangplank est un homme compliqué. Mais je ne peux défendre ses actions. Si je le trouvais brisé aujourd'hui... Tu ferais ce qui est juste. Tu le mettrais 6 pieds sous terre. Ce qui est fait est fait. Mais on ne peut pas nier qu'il s'est montré utile. Avec l'amulette qu'il nous a donnée, nous pouvons arrêter le roi déchu. Cela ne change pas mes plans pour lui. Ilaoi, il fut un temps où je t'aurais tué pour m'avoir menti. Mais aujourd'hui, tu vas m'aider à mettre fin à tout ça. Je ne suis pas stupide. Nous avons plus de chance ensemble. Mais tu as une dette envers moi. Une fois le roi déchu éliminé, nous obligerons Gangplank et Sera à sortir au grand jour. Et nous les écraserons. Sarah, je ne peux pas te le promettre. Cette obsession pour la vengeance, elle ne te vaut rien. Bilgewater finira par en souffrir. La ville a besoin d'un chef, pas d'une vendetta sans fin. Tu te trompes, prêtresse. Ma vengeance n'est pas quelque chose que je peux abandonner. Le sens de ma vie, c'est nettoyer Bilgewater de Gangplank et de ses sbires. Et j'irai jusqu'au bout. Tout ce que je demande, c'est que tu te libères du passé. Je ne nie pas tes souffrances. Mais tu mérites mieux que cette vie. C'est le problème, Ilaoi. Je ne peux pas me détourner de mon passé. Pour l'heure, nous avons un roi à arrêter. Ensuite... nous verrons bien. J'espère que nous arriverons à nous entendre. Moi aussi, Sarah. Moi aussi. Eh ben... défier le roi déchu. Eh ben, nous allons aller à au port englouti. J'allais dire vers un hôtel de repos pour lire les dernières conversations. Parce que là, notre but maintenant, c'est défier le roi déchu. Donc, on va aller là. Regarder les dernières conversations. Et on se laissera là, et le prochain épisode sera bien sûr le final. Aujourd'hui, il y aura eu beaucoup de choses. Bon, après, je vais faire des ellipses. Hein, pour pas que l'épisode soit trop court, trop long pour vous. C'est la première fois que je suis loin de chez moi aussi longtemps. Je me disais la même chose. Je n'avais jamais réfléchi à ce qui se trouvait de l'autre côté de la mer, en dehors de nouveaux ennemis. Tu penses retourner à Ionia ? Quand tout sera terminé ? Je pensais le vouloir. Rentrer chez moi. Vivre une vie normale. Je n'en suis plus sûr. En vérité, cela fait bien longtemps qu'Ionia ne semble plus être chez moi. Je suis désolé, Yasuo. Je comprends. Si quelqu'un le peut, c'est toi. J'en ai appris plus sur le monde et moi-même en quelques jours ici, qu'en toute une vie à Ionia. Et il reste tant de choses à découvrir. Et de choses que je ne sais pas. Nous devions tous deux partir pour nous trouver. Pendant tout ce temps, nous cherchions au mauvais endroit. Je suis heureuse d'avoir fait ce voyage avec toi. Heureusement pour nous, tu as des goûts douteux en matière de garde du corps. Oh, joins-toi à moi. Tu veux que je te raconte encore l'histoire du phare ? Non, non, pas d'histoire. Je n'ai pas été très aimable avec toi, mais tu es toujours là pour moi. Ouais, il faut bien que mon bouclier serve. Que dirais-tu de trinquer ? À l'amitié. Pour de vrai ? Passe-moi ta gourde. On a un troll. Brom ne sent plus son visage.
c'est bon, hein? Ça vient d'Ionia. Ça calme les nerfs. Brome doit s'asseoir. Par où est le sol? Ça te fera une nouvelle histoire à raconter. Le redoutable Brome, terrassé par la boisson. Non. Oh. N'en parlons à personne. Tu as récupéré? À peu près. Je commençais à m'inquiéter pour toi. Mais après toute cette histoire sur l'île, tu as l'air d'un homme nouveau. Ce n'est pas si simple. Mais je me sens différent. C'est dur à expliquer, mais affronter l'ombre de mon frère, ça a guéri une partie de moi. C'est triste, mais je ne croyais plus que c'était possible. Voilà qui me donne de l'espoir. Imagine un peu ça. Toute mon existence dédiée à traquer l'homme qui m'a tout pris. Tu penses que tuer Gangplank te rendra la paix? Je ne sais même plus, mais je n'ai rien d'autre. Eh bien, nous le découvrirons vite. Nous approchons, Sarah. Et de ta main ou de la mienne, Gangplank mourra. Tu recommences. Tu me donnes de l'espoir. Tu devrais te reposer. Toi aussi. Même si je sais que c'est difficile, quand nos ennemis ne dorment jamais. Oui. Devoir dormir est une vraie faiblesse humaine. Je suppose que tu ne te reposes guère, avec tes nouvelles responsabilités. Diriger Bilgewater? Facile. Vraiment. Même quand je tente de me reposer, ce n'est pas simple. Tout ce que j'ai vu me poursuit dans la nuit. C'est pareil pour nous tous. Avoir des responsabilités, c'est dire adieu aux rêves heureux. Je me demande ce que je verrai en fermant les yeux, une fois libéré de ma tâche. Peut-être que tu rêveras de nouveau. Ce serait bien. Quand nous aurons fini, Pike, que feras-tu? Je reprendrai mon travail. Tu pourrais apprendre bien des choses aux bourreaux sur les créatures des profondeurs. Tu peux donner à tes talents une nouvelle utilité. Ce que je fais est déjà utile, selon moi. Tu n'as pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Ma lame est à toi jusqu'à la mort du roi déchu. Pas une minute de plus. Ne te trompe pas sur moi. Je ne suis ni ami, ni allié. Ensemble, peut-être pouvons-nous te sauver de cette malédiction. Garde ta pitié. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas de la pitié. C'est une dette que je paye. Alors j'ai pitié de toi. Ilaoi, on peut parler? Tu tiens le coup, Yasuo. Après tout ce qui s'est passé sur cette île, la confrontation avec mon passé, je voulais te remercier de m'avoir épaulé. J'ai beaucoup voyagé seul. Et travailler en équipe, je n'ai pas vraiment l'habitude, c'est vrai. Dès que je t'ai vu, j'ai senti que tu étais en mouvement. Alors, te voir accomplir ta destinée, sûr de ta mission, je suis heureuse de t'accompagner. Je ne crois pas à la destinée. Mais marcher à tes côtés m'a enfin permis de trouver une once d'absolution. J'ai erré trop longtemps sans but. Maintenant, peut-être que c'est là que j'étais censé être. Au moins, pour quelque temps. Nous allons affronter une horde alliée, et je suis heureuse d'avoir ton épée à mes côtés. Et de te compter comme ami. Si on trinquait encore, à ce que nous laissons derrière, et à ce qui nous attend. Nous affronterons ensemble toutes les épreuves. La prochaine fois que nous trinquerons, ce sera à la victoire. Et je te le rappellerai. Eh ben, ça nous a fait quand même pas mal de discussions. Donc, vous voyez que la prochaine mission, c'est la fin est proche. Défier le roi déchu. Donc, on sait que le prochain épisode est le dernier, les amis. Enfin, depuis le temps que je devais continuer, que j'avais plus de sauvegarde, que j'ai dû tout recommencer, on va pouvoir enfin le terminer ensemble.
Cet épisode a été ultra long pour ma part de mon côté, quasi 2 heures de record. Mais pour vous, ça va être bien bien rétréci. Histoire que ça ne soit pas trop long quand même. J'espère en tout cas que cette petite... Enfin, cette même quand même... Malgré le montage, je pense qu'elle sera quand même une bonne grande vidéo. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine pour la suite et pour le dernier épisode de Winged King League of Legends Story. Allez, ciao ciao, Mina.